c'est moi. Je viens d'avoir l'hôpital, tout est ok. Je suis tellement contente, tu m'as manqué. Monsieur, bonjour. Je rentre dans mon voyage, je voudrais faire un cadeau à mon fils. Moi, je le connais pas encore très bien. Je voudrais lui faire un cadeau dont il se souvienne toute sa vie. Ouais. Et il a quel âge, ce petit? Ma femme est enceinte de 8 mois et demi. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'étais censée passer de chercher ce soir. On laissait sortir plus tôt. Je vous présente Théodore. Aujourd'hui, on célèbre sa bar mitzvah et c'est lui qui va nous lire la paracha. Ça va, Théodore? Mon père toujours pas relevé. Je m'en occupe. Non, Simon! Tu crois que tu peux agresser les gens comme ça sans même t'excuser? Tu te fous un doigt dans l'œil, mon pote. C'est quoi ton problème, juste? J'ai pas de problème, foutez-moi la paix! Wow, tu vas pas encore te casser, là, oh! Je dis pas ça pour m'excuser, mais je le connais à peine, ce gamin. Hein? Je reviens! Quand tu rentres à la maison, faut que tu me dises ce qui se passe, faut que tu me parles. Je peux te rappeler un peu plus tard? On a une urgence, là. Comment ça, une urgence? Mais vraiment, on peut l'air d'être sous mari. Attends, quoi? C'est dire quoi, ça? J'ai pas l'air d'être sous mari. Quand j'étais petit, il passait me voir des fois. Je lui ai juste envoyé un SMS pour l'inviter à ma bar mitzvah. Il m'a dit qu'il viendrait. Et il est pas venu. Simon souffre de certains troubles. Quel genre de troubles? Faut que tu lui parles, Théodore. Que ça te plaise ou non, ce type, c'est ton père. Bonsoir, Théodore. Théodore, attends! Tu peux me cogner si tu veux. Simon est la personne la plus bienveillante et attentionnée que je connaisse. Il est bienveillant et attentionné avec tout le monde, sauf avec lui-même.